Le bouseux fait parler de lui. Il a fait un trade d'une scène de violence conjugale en plein boom de caténins. Une de ses ex qu'il n'a pas nommée s'en est pris à ses animaux. Et vous allez voir, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, le bouseau, il a fait que si j'aime, dis non, sur son truc, c'est un peu triste Il me revient en mémoire une scène de violence que j'ai indirectement subie dans une relation. C'est la fois où un ex, une ex, pardon, c'est la fois une ex, où une ex s'en est pris à mes animaux. On s'engueulait pas mal à ce moment-là, et un soir, elle m'a foutu dehors, balançant mes affaires sur le gravier devant chez elle. Parmi mes affaires, la cage de mon rat, avec mon rat dedans. Qui est de la taille du rat Mais qui qu s'y foutait avec son rat chez elle ils emménagent Tu sais, t'imagines, t'emménager avec un mec Eh, hey, je viens avec mon rat Quoi Pff. La cage était ouverte au sol avec le rat qui avait subi le fait de jeter sa cage, en train de se demander ce qu'il se passait. Heureusement, rien de cassé. Dis-moi, putain, mais t'es malade En train de me jeter vers lui. Ça m'a d'autant plus choqué qu'elle se la jouait beaucoup. Amie de la nature et des animaux. C'est un peu comme Catenin, hein. Oh, mais moi, je suis contre les violences conjugales, hein. Puis ma femme, bam, bam, ici, il est obélix façon, toujours pareil, hein, ceux qui sont pour l'écologie et tout, quand ils doivent prendre l'ascenseur, euh, quand ils doivent prendre euh, l'avion, quand ils doivent trier les déchets, quand ils doivent euh, jeter leurs mégots, ils s'en battent les steaks Pff, Mais alors devant, c'est ouais, « il faut aussi survivre pour l'écologie. » J'en ai jamais parlé à personne, je ne l'ai même pas quitté pour ça. Ça a continué. Je crois qu'on n'en a même jamais reparlé de ça. Après ça, il y a eu un break, mais ça a continué. Je pense que toutefois, je passais moins de temps chez elle. Et je laissais mon rat chez moi, avec un, ami de mon, avec un ami de son espèce. Je pense que même énervé, en colère, ivre, on se rend bien compte qu'on a dans les mains un être vivant. Et quand lui, il était énervé, ivre et qui disait « Chiale pas, euh, finis-moi et chiale pas » ou « T'avais qu'à bouger le poignet, t'avais qu'à pas bouger le poignet », ça se respecte ça Ah mais c'était pas une rate. Une rate C'est ça la femme du rat, c'est une rate Enfin, un surmulot, faut plus un rat. Une surmulotte Qu'on a dans les mains un être vivant, qu'il appartient à quelqu'un à, à qui on veut faire du mal, et qu'on va s'en servir pour lui faire du mal. C'était pas un accident. D'autant plus que je suppose que le rat portait une charge émotionnelle. C'est là que j'ai explosé de rire quand j'ai lu ça. D'autant plus que je suppose que le, char, le rat portait une charge émotionnelle vu qu'on l'avait eu en groupe. Chacun pour moi. Elle et ses deux grosses, deux gosses, deux gosses. Elle et ses deux gosses. Je pense que le rat en a rien à battre. De ça. Eh hey gros, vous avez pensé à la charge émotionnelle du rat, hein Quand j'y repense, c'était vraiment une période de merde. Quand j'étais avec elle, alors que j'ai réussi à reconnaître, alors que j'ai réussi à connaître pire après. Le rat, il a dû lui dire j'ai une charge émotionnelle. Rien d'autre à dire. Le bouseux, il a un rat qui a eu une charge émotionnelle. Fin de la blague, fin de l'information pertinente. Et c'est sur cette information dévastatrice que je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.